Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur le serveur Minecraft Park Convention. Donc qu'est-ce que c'est le serveur Minecraft Park Convention? Tout simplement c'est un serveur Minecraft où il y a plein de serveurs qui reproduisent des parcs d'attractions qui sont dessus. Donc il y en a pas mal, regardez, je vais vous montrer la liste. Donc vous avez Asterix Craft, Europa Craft, Historia Park, Les Fous du Puits, Magic Craft et plein d'autres. Et nous, on va visiter tout simplement chaque plot dans une vidéo séparée, parce que si on le visite tous dans une seule ou deux vidéos, ça fera trop long. Il faut savoir que ce serveur était ouvert le samedi 13 et 14 mai 2017. Donc maintenant, c'est plus possible. Ça se passe une fois par an, cette convention sur Minecraft. Donc on va tout de suite commencer par le premier plot. C'est le plot de Asterix Craft qui reproduit le parc Astérix. Nous voici actuellement sur le plot de Asterix Craft qui reproduit donc du coup le parc Astérix. On va le visiter un petit peu tous ensemble, voir ce qu'il nous propose, ce qu'il a à nous proposer, voir ce qu'il n'a pas à nous proposer aussi peut-être. Donc on se retrouve dans une reproduction un petit peu, on dirait, d'un petit village gaulois. Fort sympathique d'ailleurs cette petite reproduction. On a des petites maisons un petit peu partout. Très joli, c'est joli. C'est joli, c'est mignon. C'est sympa, il y a un mouton là qui se balade tranquillement posé. Très joli. C'est beaucoup de petites maisons, hein. C'est très sympathique. Moi j'aimerais bien aller voir ce que c'est ce truc rouge qui passe au-dessus parce que c'est l'air d'être le seul coaster. Ou du moins le... Ah d'accord. Ok, il y a des rails, mais il n'y a pas de wagonnet. Bah du coup on va y aller à pied. On va prendre un peu de hauteur sur le parc. Apparemment, il doit manquer les wagonnets. Hein. C'est dommage quand même, c'est dommage qu'il manque les wagonnets. Bon, je pense que la visite du plot d'Asterix Craft ne sera pas assez long. Du coup, on va visiter aussi les Fous du Puits en même temps, comme ça, ça fera deux en un, et comme ça sera un petit peu plus long. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était le tour du plot d'Asterix Craft. Alors, oui, c'est un peu décevant. Le plot de l'année dernière était quand même mieux, même si c'était une partie du parc qui était coupée. Mais bon, c'est pas grave, on passe tout de suite au plot. Donc Europa Craft, on va passer à Europa Craft, tiens. Comme ça, on va faire... Ah non. Donc on est actuellement sur Historia Park, du coup, on va faire Asterix Craft plus Historia Park, comme ça on en aura fait deux. Alors là, normalement, je suis pas là où spawn les gens... Historia Park, c'est un custom park, donc ça veut dire qu'il y a des attractions un petit peu, que c'est eux qui les ont fait. On va un peu voir ça, voir à quoi ça ressemble. Alors, déjà, il y a plein de petites rues bien sympathiques. Ça a l'air d'être relativement grand, relativement sympa. J'aime bien, moi. Regardez, là, il y a une attraction, on pourrait aller la faire. Et si on allait la visiter? Si on allait faire cette première attraction, je sais plus déjà par où on rentre. Oui, parce que j'ai déjà fait avant. Ça, c'est la sortie, d'accord. Il nous faudrait qu'on trouve l'entrée. L'entrée, s'il vous plaît. L'entrée. En tout cas, c'est très joli. Hein. Il y a clairement un style de décoration. C'est là, l'entrée. En plus, c'est ouvert. C'est parfait. Rentrons. On se permet. En plus, ils ont ouvert des attractions. C'est trop cool, non? Hop. On rentre. On se permet. Merci de bien vouloir rester sur l'escalier. Oui, on connaît. Hein. J'ai déjà fait tout à l'heure, c'est la deuxième fois que je la fais. Ouais, je l'ai testé tout à l'heure. On peut pas rentrer encore. Ils doivent être tout en haut là. Peut-être qu'on va les voir redescendre. Regardez, on voit redescendre le bestiau. Doum. C'est ça qu'on va faire tout de suite. On va voir un petit peu ce que ça donne. On peut y aller, monsieur? Merci, messieurs. Je vais mettre sur un endroit cool, genre ici. Je mets dos à vous. Non, parce que tout à l'heure, j'étais de l'autre côté. C'est parti! Regardez-moi ça, on va avoir une belle vue sur le parc. Donc, on peut voir que le parc est très et grand quand même. C'est un grand plot. Il y a quand même de quoi faire. Là, il y a une autre attraction. Là aussi. Là, il y a un grand château. On est tout en haut. Et on redescend. Regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal vu, hein, cette petite attraction. On monte tout en haut, on a une belle vue comme ça sur l'ensemble du parc. Et c'est cool. C'est cool, j'aime beaucoup. Sortie, la sortie c'est par là-bas. Hop.
Voilà, donc là c'était je crois Drop Totems. Hein. On va du coup voir un petit peu ce que nous réserve la suite du parc. Oh, il y a des mines abandonnées ici, vous avez vu? Alors, que nous réserve la suite du parc? Parachute drop dans 1 minute. Vite, 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 il faut aller à parachute drop. Ça doit être là-bas, là. C'est ça, parachute drop, je crois. On y va rapidement. Histoire qu'on aille voir ce qui s'y passe. J'arrive, attendez-moi. Non. Non, je voulais monter. Moi, je prendrais la prochaine parachute drop, écoutez. Hop, 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 hop. Je prendrais le prochain, moi. Merci. Vous savez que je le mets? J'ai trop. Attendez, je vais me mettre tout là-bas. Hop, 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 hop. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Non, non. Ici. C'est parti. Je suis bien installé. Je suis sur l'escalier et je ne bougerai pas, monsieur. En tout cas, c'est plutôt bien fait ce parc. Ça a l'air d'être cool. 3, 2, 1. C'est parti. Oh, on monte. On grimpe. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop cool. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. On grimpe. Regardez-moi cette belle vue. On voit tous les alentours. On voit tout autour. C'est trop cool. C'est trop cool. Ce plot, donc. Ce plot est vraiment très sympa. Hein. Il y a vraiment un effort de fait dessus, c'est vraiment très cool. Ouais, regardez-moi ça. Hein. On essaie des petits parachutes. Ouais, c'est très bon. Hein. Très 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 bon. Bah j'admire la vue depuis déjà un quart d'heure, mon petit. Non, c'est trop cool. C'est trop cool ce truc. Trop cool, parachute drop. Je sais plus comment ça s'appelle. On peut y aller? Et sur ta droite. Droite. Merci. Ah, ils sont vraiment trop gentils. Hein. Sur ce plot là, sur Historia Park, ils sont vraiment très 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 gentils. Et il y a vraiment du beau boulot. Regardez-moi ça, on était là-dessus sur Parachute Drop. Ça a vraiment de la gueule comme attraction. C'est vraiment très très beau. Regardez là-bas, on était sur Drop Totem là-bas. On va un peu voir ce qui se trouve par là-bas, histoire de... On va visiter. Quoi ici? Land antique. Ah ouais, on est au temps antique. Écoutez, on visite, on profite. On profite de cette merveilleuse convention pour découvrir. Pour découvrir des trucs qu'on ne connaît point du tout. Ouais, une jolie fontaine. En tout cas, c'est très grand. Et c'est très beau. J'apprécie vraiment, je sais pas si ce parc a un serveur où ils sont ouverts tout le temps, toute l'année, mais j'aimerais vraiment beaucoup aller les visiter parce que ça envoie du pâté. Et je suis content. Je suis content que de découvrir des serveurs. En fait, c'est ça le principe aussi de ces petites conventions. On découvre des serveurs qu'on ne connaît point et c'est vraiment trop cool. Voilà, il y avait quoi? Land guerre. Donc là, c'est du côté plutôt guerre. Oh, un char! Aidez-moi ça! Oh le chat! Oh le chat! Oh la bête de chat! Sacré chat! Oh là, il y a de la TNT, ça a explosé! Ah, ça va être les tombes. Côté un petit peu moins drôle, quoi. Oh! Un trou d'obus! Ok, sympa, sympa, sympa. Est-ce qu'on n'a pas été voir encore? On n'a pas été par là-bas. On n'a pas été voir par là-bas ce qui se passe. Attendez, information, ça se trouve, ils ont un Twitter ou quoi? Voilà, donc vous avez le site de Historia Park et le Facebook d'Historia Park. N'hésitez pas à les suivre, hein, moi je conseille fortement, fortement, fortement. Ça, on était là-bas tout à l'heure. Land Pirate, on va du côté des pirates. Pirates. Qu'est-ce qu'il y a du côté des pirates? On peut se balader tranquillement. Pirates des Caraïbes disponible sur Historia Park. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Pirates des Caraïbes pour aller voir ce que ça vous réserve un petit peu. Je
Enfin, je suis Astoria Park pour aller voir Pirates des Caraïbes. Une petite terrasse au bord de l'eau, regardez-moi ça. C'est magnifique. Là-bas, il y avait un coaster, je vois. On n'y est pas allé. En tout cas, c'est très grand et ça a l'air d'être très cool. Je sais pas si c'est aussi bien fait sur l'extérieur ou là, c'est vraiment. Mais ça a l'air d'être très cool. En plus, c'est un custom park. Du coup, il reprend plein d'attractions de différents parcs. Il les met sur son parc. C'est vraiment cool. Et Custom Park, voilà, c'est cool. Alors, on va aller voir là-bas. J'ai vu qu'il y avait un truc. Et on aura fini déjà sur Historia Park. On repasse sur le Land Antique. Mais vu qu'on n'avait pas été sur le roller coaster qui était là-bas. Olympus. Ok, on rentre dans Olympus pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Apparemment, c'était ouvert ça. Welcome to. Ah! Yeah! C'est parti, on va faire un petit coaster, voir ce que ça va nous donner. Sur ce serveur, Historia Park. C'est parti, oh, ça accélère direct quoi! Direct sans pression. C'est parti! Wow, on part dans des mines. Ah non, on remonte. Regardez, il y a l'océan à perte de vue. Ok, on passe partout dans la montagne. Il y a quelqu'un devant ou quoi? Ah non, j'ai cru voir quelqu'un. Ah bah nous va déjà arriver là-bas. Eh bah écoutez. Écoutez, c'était très sympa. On est déjà arrivé. C'est très sympa ce petit tour sur le plot d'Historia Park. Je conseille vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Facebook et tout sur leur site internet pour aller voir ce qu'ils vous proposent. Mais en tout cas, leur plot était très sympa. Mais en tout cas, nous, c'est la fin de cette première vidéo sur la Minecraft Park Convention. J'espère que ça vous a plu. La suite arrive très bientôt dans la semaine. Pour la suite, on ira essayer de voir EuropaCraft s'il ouvre. Et bien sûr, le plot des Fous du Puits. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Park Convention. Je vous remets les liens d'Historia Park pour finir la vidéo. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.